Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. J'aime me battre. Et toi, le pourrieux. Ouais, c'est toi que je parle d'effet toxique ambulant. Qui va me ramasser ce mégot? Ou je l'ai trop méchée de le coller au bout de ma chaussure et de le planter dans ton gros cul plein de fureaux. T'énerve pas. C'est rien, quoi. C'est qu'une cigarette. Ah oui. Mince, c'est qu'un point. Mais quand je commence à l'agiter, il peut faire un sacré massacre. On danse. On va lui faire cracher sa connerie à ce fumier. Excusez-moi, Charlie. Salut. Vous permettez que je passe avant vous? Je suis super pressée, ça vous fait rien? Oh oui, je vous en prie. Vous êtes un ange. Hé, les gosses, venez par ici. Dépêchez-vous. Je vous avais pas dit de rester avec moi. Je ne vous l'avais pas dit. Je vous demande pardon? Non, c'est moi. Il n'y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagiclean. Je répète, vérification de prix au rayon pharmacie concernant Vagiclean. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà la levure. Vite, il y a urgence. T'es un connard, toi. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je lui demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots et filez. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis avec contrôle Tadal. Route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. Tu veux qu'on se fasse des fleurs mutuellement? Ouais, c'est ça.
Si tu te baladais pas toujours avec ton crayon à marquer les punis et ton œil à la traîne, je pourrais te rendre la vie militaire, disons, plus sympa, enfin, pour ne pas dire carrément plus juteuse. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'as et moi par les naseaux. Sergent Hayway, chez le commandant Devine, au pack à danser. Ça, c'est le AK-47, fusil d'assaut, l'arme préférée de vos putains d'ennemis. Son tac-à-tac est typique, surtout quand on vous allume. C'est bien V. La zéro, moi, j'en fais qu'une bouchée. Ah, c'est vrai. Moi, je vais te défoncer la gueule. Vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Non, mais tu débloques. Mais je vois bien de quel bord tu es. La clé est sur la porte. Je vais t'envoyer dans des pantoufles avec une paire de mirettes bordées de valises. Mais c'est... Les soldats, je les gerbe. Répète. Si tu frimes pour bourrer le mou de ce glandu, pas la peine de te faire mousser comme ça, boule à zéro. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Où tu vas, là, père l'acolyque? Le père l'acolyque te prévient qu'il est un père l'acolyque fatigué, qui a des ronds-voix de barbelé, qui pisse du la palme et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Alors arrête de me peler le jonc, sinon on va y avoir explication des gravures. La ramènera moins quand t'auras les burnes au fond du bec, boule à zéro. Et merde. Hey, tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Oh 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 Reste dans ton coin et à point pisser le sang avant d'en paver à mort. La cour vous remercie de ce témoignage, monsieur l'officier de police. Sergent Hayway, ébriété et trouble de l'ordre public, rixe dans un débit de boisson, et pour finir, vous urinez contre un véhicule de police. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que notre pays n'est pas en guerre qu'il faut vous sentir obligé d'en déclarer une chaque fois que vous êtes sous. Sachez que malgré tout, je porte à votre crédit vos excellents états de service et votre zèle à assurer la sécurité de cette grande nation. Mais c'est votre dernière chance. Ce sera $100 d'amende. Suivant. Ton collègue de nuit demande le divorce, Riz. Cher ami. Oh, je te commissaire de visionner. Je voudrais vous présenter à deux confrères étrangers, le commandateur Riganti. Oh, comme star. Et son confrère allemand, le docteur Müller. Vous êtes amené. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ya, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, je suis envie entre nous. Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire de visionner. Ah, ouais. Vous prenez un kilogramme kartoffeln. Für wie viel Personen? Je ne l'ai pas pour les ex-personnes, une normale, ou alors boire une personne anormale, une rouge personne. Alors, un kilogramme kartoffeln, un litre milch, drei Eier, 90 grammes butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. J'en ai pas Carmelo. Et je vis leur rôle. Un kilogramme kartoffeln. Ein Liter Milch, drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss, Ermelin. Signor Riganti, cet homme sait, avez-vous festin de Ermelin? Ja. Au V2N, Hermela. Merci. Viens ici, pas bouger, putain. C'est chiant, hein?
Oui, si, t'es chiant, tu le dis, moi. Bon. Donc on se rappelle bien les bases, hein. Le foot, c'est d'abord collectif, c'est une équipe. Hein, un but, c'est la victoire d'une équipe. Le foot, c'est collectif. Si tu veux jouer perso, faire du golf. Golf. Voilà. Les GOG. Alors. Pipi, caca. Tu te mets devant, hein, tu relèves la lunette, hein, qu'on s'en foute pas partout. Tu sors ton petit berlingot là et tu pisses là, où il y a de l'eau. Hein, caca, pareil, mais assis. Voilà, tu peux te relever maintenant. Quand t'as fini, caca, tu m'appuies bien là-dessus, là, c'est la chasse d'eau. Tout. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis c'est bon. Voilà. Bien. Question? Quoi? Bah ça, c'est le papier pour... Ah oui. J'ai oublié de te dire. Putain, heureusement que t'as posé la question. Allez. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a? Un pantalon, vous savez pas mettre un pantalon? Vous savez le mettre. C'est ça le pantalon. Vous mettez une jambe. Vous parlez français? Vous mettez une jambe, une gambasse dedans. Voilà. Une et l'autre gambasse pareil dedans. Paf. Voilà. Allez, viens. Allez, ne fais pas ça. On n'a aucune ordure, allez. Ça n'a aucune ordure. D'accord, ouais.